sûr. Donc, je m'appelle Benoît, je suis coordinateur à l'UFOLEP 91. On présente 5 activités sur notre secteur. Savoir rouler, trottinette, sport nature, donc c'est de la skyline et tir à l'arc. Danse, avec un prof de danse qui vient. On a également des tests physiques et urban sport. Tout simplement parce qu'au départ, on venait de sortir du confinement et qu'on n'avait pas trop le droit au sport collectif. Là, actuellement, on commence à avoir le droit, donc on commence à remettre des nouvelles activités en place, telles le PANA qu'on a aujourd'hui, où ça va être des petits tournois de foot en 1-1, et voilà. Mathias, je suis délégué du préfet dans le cadre des politiques de la ville, auprès de M. Buquet, préfet délégué à l'égalité des chances. On a mis en place les quartiers d'été pour juillet et août. Alors, comme vous le savez tous, c'est la suite du confinement où on s'est aperçu que pas mal de jeunes ne pourront ni partir en vacances et rester dans ces quartiers. Du coup, on a tout de suite réagi en concentrant nos efforts pendant cette période estivale et en sollicitant un maximum d'intervenants tels qu'UFOLEP pour qu'on ait un plétoyer de propositions d'actions sportives, culturelles, artistiques. Là, UFOLEP avec le sport, mais en tous les cas, on est très content d'être en complément avec les collectivités territoriales. On a beaucoup de monde, on est vraiment au cœur du quartier. Les tranches d'âge, ça va de 6 ans à 12 ans, mais ils se mélangent tous pour jouer ensemble. C'est sympa, ça fait des loisirs pour les enfants. Avec l'animation des trottinettes, aujourd'hui, en fait, je me suis proposé de les aider. Et demain, en même temps, aussi de les aider pour faire d'autres animations qu'ils vont mettre en place demain. Ils profitent, ils ont des amis, tout ça, ils ont des enfants. Ça fait des contacts, des relations, et voilà, quoi, c'est du loisir, quoi. C'est la décontraction, c'est la période estivale, donc il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien du tout. C'est quelque chose plutôt de festif au-delà, en support de ces activités-là, mais c'est plus festif que compétitif, j'allais dire. Oui, exactement. C'est vraiment le plaisir de partager un moment ensemble sur le même terrain pour faire une activité. Aujourd'hui, c'est sport, mais ça aurait pu être autre chose. Donc c'est partager un moment tous ensemble. Ouais. En fait, ça occupe les enfants, ça fait du bien aux enfants. Vraiment, les enfants avaient besoin de ça, en fait. Pour les faire sortir de la maison, forcément, avec la chaleur, là. Donc, nous, les parents, on respire un peu, quoi. Ah oui, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée, parce qu'il y a des enfants qui ne vont pas en vacances. Il y a les parents qui n'ont pas les moyens, donc ça va les occuper aussi. Ça va vraiment... C'est très important. Pour le quartier, c'est bon pour le quartier. L'année prochaine, ça sera tout un autre sujet et on continuera à mettre en place ces quartiers d'été parce que c'est un véritable succès et on continuera dans ce sens-là parce qu'on veut que toutes celles et tous ceux qui n'ont pas la chance de partir puissent s'amuser en bas de chez soi avec un encadrement sportif, avec des éducateurs sportifs qui leur donnent du bon temps et je pense qu'on ira encore dans ce sens-là. Pour moi, ce serait le partage et le vivre ensemble.